Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Dead Rising 4. Nous en sommes toujours à l'affaire numéro 3, Paye ta science, c'est pas moi qui le dis, c'est eux bien évidemment. Et nous en sommes à l'épisode, vous savez, mettez pause, on va faire un jeu excellent, j'adore ce genre de jeu. Mettez pause, mettez le numéro d'épisode, voir si vous suivez. Eh, si vous êtes intelligent les gars, c'est écrit dans le titre, vous pouvez pas vous foirer. Et si tu as répondu autre chose que épisode 8, ne remets pas play. Mais ça tu peux pas le savoir vu que t'as forcément remis play pour pouvoir entendre le fait que je dise de ne pas remettre play. Tu as compris, tu as saisi, c'est de l'inception hein, bien évidemment. Donc nous en sommes à l'épisode 8, j'espère que vous suivez bande de petites salopes. Et aujourd'hui quelle ne fut pas ma surprise, très agréable surprise. Je me suis réveillé, même la salle s'est levée, hein. Oui parce que je dors dans une salle, je dors dans un amphithéâtre devant des milliers de personnes. Je me suis réveillé et là, que n'ai-je point vu, n'est-ce pas? Déjà, je n'ai pas vu une chèvre. Voilà, une chèvre qui parle, ça je l'ai pas vu, je peux vous le dire, hein, je vous spoil. Je n'ai pas vu de chèvre qui parle, mais, en allant voir l'épisode 7, figurez-vous qu'on a tapé un putain de top tendance. Comment c'est possible en plein milieu de let's play? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de demande particulière de like. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Épisode 7, on a tapé un top tendance. Alors, j'ai mon idée. Vous avez été très nombreux à liker. Encore une fois, merci du fond du cœur. Vraiment, vraiment, ça touche quoi qu'il en soit. Mais on a tapé un putain de top tendance, les mecs. Sur un épisode 7 de let's play. Alors que j'ai pas demandé de post-blog pour expérience sociale dans la première minute de vidéo. J'ai pas montré mes fesses. Je ne sais pas. J'ai pas que c'était impossible de ne pas rire, je ne sais pas, ou de ne pas bander, je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, pour la peine, je saigne. C'est une hémorragie à cœur ouvert que j'ai subi là. En tout cas, merci. Quoi? Gros, tu sors d'où? Hop, dégage, 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 voilà. Et boum, c'est bon? T'es mort, Pépito? Bref, je sais pas comment c'est possible, mais merci à vous. Je pensais réellement, les gars, je vais pas faire le ricain, parce que la plupart des gens vont dire « Ouais, mais B-Boy, tu savais très bien et tout. » Je pouvais pas savoir qu'on allait taper un putain de top tendance sur un épisode en plein milieu de let's play. Trouvez le labo de Barnaby, on va le trouver. Donc, un grand merci à vous, évidemment. C'est fabuleux. Que ce soit l'épisode 1 ou autre, ou 30 ou 65, taper un top tendance, c'est toujours cool. Alors, ça m'a pas fait gagner expressément 2 millions de vues, mais c'est pour le tableau des scores, les gars. C'est beau. Téléchargement sur le cloud de Vite. Vas-y, on prend. Eh, mais on trouve des trucs, là, en ce moment. La commandante Fontana s'est avérée aussi utile que prévu. Je suis sûre qu'elle m'a raconté 99% de conneries. Elle m'a dit que l'épidémie était la faute de terroristes. Puis a essayé de nous faire porter le chapeau à moi et à Franck. Foutaise. Mais elle a aussi dit que la scientifique en chef est morte au point zéro. Le docteur Diane Blackburn. Le truc, c'est que d'après des témoins, Blackburn est toujours en vie. Elle aurait survécu à l'épidémie. Ça veut donc dire que Fontana veut m'empêcher de la trouver. Et que je vais donc devoir creuser encore plus, non? Ok. Donc, on est censé avoir trouvé. Alors non, c'est plus bas. Trouvez le labo de Barnaby, c'est plus bas. Bref, voilà. On va pas revenir dessus, mais un grand merci à vous, comme d'habitude. Vous connaissez les bails. Oh, sous le sapin, il y a un portable. Mais je trouve de ces trucs-là, dans cette maison. Je sais pas ce qui se passe, mais l'épisode 8, c'est sous le signe de l'incroyable folie. J'en perds mes mots, n'est-ce pas? Par où c'est? C'est par là. C'était de l'autre côté, il y avait indiqué, il y avait un petit rond pour dire que c'était indiqué. Une bouteille de vin, c'est un soin. Voilà, il considère le vin comme un soin. Attention de ne pas en abuser chez vous, bien évidemment. Comment on peut le trouver? Ça peut être partout? Ça peut être partout et nulle part à la fois? Je suppose que c'est en bas. Moi, je pense que c'est en bas. Suivez mon instinct. Tiens. Regardez. Vous avez vu? C'est forcément en bas. C'est un signe. Oh là. Oh là. Ah ouais, mais dans les caves comme ça, c'est jamais propre ce qui se passe, hein. Ok, ça fait peur. On va avancer à la Outlast, les gars, parce que j'ai pas super confiance, je vous avoue. Ça peut être n'importe où. Ah, les gars, me faites pas chercher 30 ans, hein. Je vous le dis, hein, ça va m'énerver. Hein. Je suppose que c'est là-haut. Ok, vous savez quoi? On va suivre le tunnel même dans le noir, on en a rien à foutre. Ah oui, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé là? Vraiment dans le noir. Ok, peut-être par ici. Ah! Attendez. Pousse-toi la chaise. Il y a quelque chose. Un portable. Je prends. Ok, 2 sur 3. Barnaby contre son vigneron. Très bien.
Donc 2 sur 3, on a 2 téléphones portables de la maison. Oh, Snoop Dogg. Je prends, c'est incroyable. Hop, un deuxième Snoop Dogg. Voilà, putain, qui est intéressant. Et il régale par ici de ouf, hein. Ok. Analyseur de spectre, il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a rien du tout. Bon, comment on va faire? Je suppose que c'est ça, c'est la dernière salle où on n'est pas encore rentré dedans. Ça fait peur un peu ici, les mecs, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'impression que ce soit ici. J'ai pas l'impression que ce soit ici. Mais regardez, si, il y a un petit tunnel sous la map, là. Ah, il est là, ok. Ok, je crois. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, on est toujours à la poursuite du monstre. Voilà qui est prometteur. Ça y est, il fait jour là-dedans. Yes, on est bon. On est toujours à la poursuite du monstre, donc on continue. Alors, pour revenir vite fait sur ce qui s'est passé tout à l'heure, donc sur le remerciement, les gars, il y a Resident Evil 7 sur ma chaîne dès qu'il sort. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que ça va être le pire let's play horrifique qu'on va faire. Enfin, le pire. Au final, le meilleur. Croyez-moi, soyez là, ça va être totalement fou. Hey Brad, j'ai trouvé et de là, j'espère qu'on va et taper un top tendance d'enfoiré. Ils ont laissé quelque chose? Ouais, tête. Ok, explorer le labo. Alors là, je pense qu'il va falloir tout simplement mener l'enquête. Voilà, enquête commencée. Donc, on est parti. Dans un endroit sûr, peut-être. Ok. Obscuris adore vraiment les fichiers. Dans un endroit sûr... Quoi? C'est quoi sa mère? Ah non, c'est la porte. Putain, mais vous êtes fous, les gars. Faites pas des bruits comme ça. Ok, dans un endroit sûr, peut-être. Je pense que... Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je suppose que c'est ça. D'accord, c'est l'armoire électrique. Je pensais que c'était à côté. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Merde. Ah, le technicien, d'accord. Ils ont emporté le matos informatique de Barnaby. J'aimerais bien mettre la main dessus. Ok. Dans un endroit sûr, maintenant, peut-être. Alors là, là, ça peut être terrible. Dans un endroit sûr, peut-être. Je pense pas que ce soit ça, la table. Obscuris adore vraiment les fichiers. Ah, attendez, on peut rentrer là-dedans. Dans un endroit sûr, coffre-fort. Coffre-fort, voilà. Nickel. Ok, bon, ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là? Yes. D'accord. Ah, il y a une photo de chat. Flamel, c'est quoi ce délire? Ah, faut croire que Barnaby aimait vraiment ce chat. Ok, ça c'est fait, tiens, on peut fouiller. Et il reste, Obscuris adore les fichiers. Alors, je suppose que là, c'est des papiers, n'est-ce pas? Des papiers ou un ordinateur? Ouais, je niveau enquête, c'est vrai que maintenant, je suis quand même bien calé. Hein. On m'appelle la machine, on m'appelle l'enquêteur de l'extrême. C'est pas des petits fichiers par hasard, non? Là, par ici... Peut-être en ouvrant... Non. D'accord. Alors, pour moi, c'est soit... Ok, on l'a. On l'a. Par contre, va savoir où il est. Eh ben voilà. Plus un seul dossier. Merde. Des casiers. Bon sang. On dirait qu'Obscuris a tout emporté. Ça se comprend. Ils doivent tout garder dans une pièce sécurisée. Sûrement à la base. Oh, génial. J'ai donc à m'infiltrer dans une forteresse remplie d'assassins entraînés et à leur voler tout ça. Super. Une minute. Il y a une autre porte. Ok, j'ai peut-être récupéré ma balayeuse. Pour le ménage, c'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me demande... F-L-A-M-E-L. Barnaby. Espèce d'idiot. Nom de Dieu. Bah, il faut que je photographie tout ça. Ok. La machine. D'accord. Examinez la machine. On va peut-être photographier l'intérieur. Oh, je vais me faire emprisonner. Ça partira en couille. Ça va pas être ouf. Bon, on va les arracher. Alors, notez que ma moustache a disparu. Un petit peu dommage, ça, quand même. Notez que ma moustache a disparu. Eh, les gars,
viens par là, que je tacle le gant. Oh, fais chier. Allez. Quoi? Quoi? Oh, ils sont bien trop forts pour mes gants. Eh hey, gros, je veux... Pas ouf les gants, hein, pas ouf. Saloperie. Des mecs comme ça. Eh ben. Allez, allez. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quoi? Oh, Spider-Man! Oh là, ok, c'était terrible. Je suis obligé de sortir les disques de Laurie. Survivez. Hein, survivez. Vous me dites. Ok. What? Prenez tout ça! Le dernier album de Joule! Putain, la vache! Ok, vas-y, venez. Venez, les cocos. Tête de ma mère, venez. Personne ne sera prêt. Personne ne sera prêt pour l'album double collector. J'ai bien dit personne. Ok, pour l'instant, on est large. Soyez maudits, Barnaby! Allez, allez. Alors, tu kiffes? Tu kiffes le double collector? D'accord. Cet homme ne peut pas mourir. Ok. Ça, c'est chiant. Là, ce qui s'est passé, il lui faut un peu trop de balles à mon goût pour crever. What? C'est quoi ça? Il y a de la lumière. Il y a eu de la lumière. Ok. Et vous savez quoi? Pourquoi se faire chier? Voilà. Le Deagle. Hop, ça arrache des têtes. On va peut-être pas utiliser tout le Deagle. On va garder ça. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, c'est les boules de neige. Bon bah, on va rester au point. On va rester à Manu. On s'en bat les couilles. Allez, les gars! Wow. Attends, parce que là, c'est gênant, par contre. Là, c'est gênant. Voilà. Allez, ouvre-toi! Ouvre-toi, bordel! Hop, tu dégages. Comment on va essayer de le tuer facilement, là? Il y a quand même pas mal de monde, là. Voilà, dégage aussi. Eux, ils sont chiants. Wow! Tu fais de la macarena, cousin! Bah alors, on a mal. Ça me fait chier de tout utiliser, là, par contre, là, non? Donc voilà ce qu'on va faire. On va prendre ceci, les mecs. Regardez bien. Personne ne sera prêt. Tiens, on peut prendre ça. C'est plutôt cool. Ouais, on peut prendre quoi? Ah! Ah! Attends, hop, un os, coup d'os. Il y a comme un os quelque part! Laissez-moi ramasser mon Père Noël! Ok, les mecs, vous voulez faire les champs? Boum! Allez, bouffez ça, sortez de la pièce. La tête de ma mère, je vais rester jusqu'au bout. Regardez mon Père Noël. Ok, révélez les secrets de Barnaby, c'est bon. Ah bah, j'ai perdu mon Père Noël, c'est terrible. Terrible situation. Allez! Ah! Dégueu! Oh! Fin de l'affaire 3, mais quelle surprise! Calter, qu'est-ce que ça peut bien être? Un truc énorme, forcément. Et il n'est pas tout seul. Un genre de zombie nouveau, zombie malin, zombie meurtrier. Je sais pas, notre perso trouvait mieux que zombie meurtrier. J'ai ensuite été contacté par le docteur Diane Blackburn, une scientifique d'Obscuris qui travaillait autrefois avec le docteur Barnaby. Ouais, vous vous souvenez de ce vieux schnock? Grand inventeur du zombisme. Mort au cours de la première épidémie de Willamette. Ses notes et recherches n'ont jamais été retrouvées. Blackburn m'a parlé de son labo secret à la Golden Apple Winery, j'ai vérifié. De la science louche, des zombies louches, louches, louches et toujours plus louches. Finalement, j'en ai rien tiré. Obscuris avait déjà raflé tous les fichiers de Barnaby. Je sais pas sur quoi il travaillait, mais Obscuris était au taquet. Vraiment au taquet. Ce qui veut dire que ça devait être du très, très lourd. Ok, affaire 3 résolue, temps de jeu 4h46, donc je pense que c'est au total. On a la zombamite, donc c'est de la dynamite accrochée à une main de zombie.
On a 2000 points, 2500 points, pardon, et 2000 dollars. On a gagné pas mal de PP. On a tué en tout 4470 zombies. Affaire 3 plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé, je sais pas vous. On est parti pour l'affaire numéro 4. Donc, il y a eu la bagarre. Il y a eu de tout. Ah, 41% cette fois-ci. D'accord. Pièce de survie trouvée. Alors, je pense que c'est en tout parce qu'on était à 30%. Je pense que c'est au global. Ok. 41%, c'est le nombre de pièces de survie trouvées. Plutôt pas trop mal. On est parti pour l'affaire numéro 4. Bien, faut que je reprenne les recherches de Barnaby à Obscurus. D'accord. Il faut que je me refasse aussi de nouvelles armes parce que là, réellement, j'ai plus grand-chose. C'est Frank West. Écoutez, j'ai besoin de votre aide pour m'introduire dans la base d'Obscurus. Je suis assez occupé, Frank. Oh allez, ça vous prendra quoi? Une heure à tout casser? Pourquoi vous murmurez? Vous voulez parler? Rejoignez-moi à Westridge. Dans les grandes maisons. Je me planque. À plus tard. Attendez! Quelle maison, Hammond? Génial. Je vais devoir faire du porte-à-porte. Eh ben nickel, on va essayer de trouver des plans. Ça serait pas mal qu'on ait un nouveau... comment on appelle ça? Un nouvel abri, là, histoire qu'on ramasse calmement les plans, là, à trouver... Trouver un petit peu partout. Parce que là, par exemple, j'ai pas le plan qui affiche les plans, voilà. Parce que c'est dans ce jeu-là, t'as besoin de plans pour te dire où sont les plans. C'est incroyable. Et je ne l'ai pas. Donc là, c'est un petit numéro. Ah, ce building, je pense que la fin du jeu, ça va se passer par là. Ah, attendez, hop, pardon. Faut ouvrir, monsieur. Faut ouvrir, je vais prendre des patates, je vais pas être prêt. Nickel. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a du vin. Tout ça pour un peu de vin. Je prends quand même, avec les fêtes qui approchent, toujours un petit verre de rosé, c'est toujours cool. On a un camion rose, très bien. Ok, on va prendre cette voiture, on peut ou pas? Ah boum, vous aviez eu tort! Alors vous étiez nombreux à me dire, Mister B-Boy, tu peux prendre les voitures qui ont que un clignotant. Bah non, hein, la Cadillac n'a pas de clignotant. Je vous ai bien baisé, les gars. J'ai entendu parler de trucs bizarres dans ton coin. C'est parfait pour l'évangile des zombies. Va jeter un œil si possible. Ok, il y a les rumeurs. J'ai entendu dire que des survivants se regroupent à l'école du coin pour former un genre de société secrète. D'accord. Oh putain. Il y a des méchants. Quoi? Dégage, il y a des méchants pas gentils. Il y a des méchants pas gentils. Et ils sont dans cette putain d'école. Ok, à mon avis... C'est tout simplement des étudiants qui ont pété un câble. Ah, mais c'est là où il y avait le plan invisible. C'est incroyable. Donc, il est sûrement en dessous. Ok, on est parti, on rentre là-dedans. Comment on rentre là-dedans? Hein? C'est quoi? Ok, il s'est passé quelque chose de très bizarre, hein. Il y a quelqu'un qui me parlait, je n'entendais pas. On va changer de tenue. Alors, ma moustache a disparu comme par miracle, donc vous savez quoi? On va se mettre en tenue de footballeur américain, ça me paraît pas trop mal, ce petit délire. Et on essaiera de récupérer la moustache. Ah, les gars, je suis où? Ok, et voilà, toujours bon, un petit casque. Ça gratte un peu. Un petit casque, c'est fresh. Ok, on peut déverrouiller quelque chose ici. D'accord. Ok. À mon avis... Oh, j'ai quasi plus rien, un crack. Mon épée de glace, on va sortir l'épée de glace. Je peux rien faire du tout, c'est terrible. Ok, c'est lui sur tout le monde. Oh, le crack est magnifique. Faut que je retourne dans le centre commercial, les gars. Hop, allez, c'est cadeau, c'est notre qui régale. Le dindon! Allez, hop, ça dégage. Je les ai enculés. C'est okay. Pour ça que je déteste les sports collectifs. Tu t'en es occupé? Bien. Tu vois, les Illuminati sont de mèche avec les sports d'entreprise qui profitent de... Aïe! Merde! Je me suis coupé avec mon organigramme. Je dois y aller. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, les mecs? Ok, un autre téléphone portable. On est bon, putain. 1 sur 4. Terror is romantic. Ok, bon, il était pas ouf. Il était pas ouf, mais après, c'est qu'un psychopathe. Oh. Je fais de ce pas.
ça va m'en donner combien? Ça m'en donne 3, c'est pas mal, je prends. Ok, c'est fait. Je peux rien me faire, il faut vraiment que je me fasse quelque chose, les gars. Échanger, ok. Pour l'instant, je peux rien comboter. Ah, c'est terrible, je peux plus rien comboter. Faut que je trouve des épées, des trucs sympas, là. Des trucs sympas à emporter. J'ai quoi? J'ai un bidon d'essence. J'ai des produits chimiques. J'ai quelque chose. J'ai de l'azote liquide. Et j'ai de la dynamite. Donc j'ai pas mal de trucs. Faudrait que je retrouve des petits pétards. Ça peut être pas mal. On va essayer de trouver ce putain de plan, les mecs. Oh, tiens, Snoop Dogg. Hop, tu régales, frérot. Peut-être un nouveau filtre. Ouais, je crois qu'on a débloqué un nouveau filtre. Non? Tu veux pas m'indiquer, non? Tu veux pas me dire? Non? J'ai compris que j'avais gagné un point. Ok, il veut pas me dire si j'ai un nouveau filtre. RT6, c'est triste. On se casse. Et on peut pas partir par là. Ok, je confirme qu'on puisse pas partir par là. Bon, on a fait le psychopathe. Ça va, ça s'est bien passé. Oh, il y a des haltères. C'est vrai que si je peux soulever vite fait 2-3 petits trucs. Il m'énerve, hein, le plan ici, là. Hein. Je sais pas où il est, mais il est terrible. C'est le... Ah, peut-être sur le toit, non? Miskin. Ah, c'est intéressant. Vous savez quoi? On s'en bat les couilles. On se casse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire l'autre psychopathe, sachant que je n'ai plus de crack? C'est un œil, ce truc, sur mon pare-brise? Il me semble que l'autre psychopathe est dans le centre commercial. Et il me semble que dans le centre commercial, je vais pouvoir facilement faire des cracks. Ah non, il est là-haut. Ah ouais, putain, t'es loin, frère. T'es super loin. Ok. On va à l'objectif. Bah les couilles, on va à l'objectif. On va récupérer tous les plans au passage. Parce que c'est fait pour, les mecs. C'est un régal. Donc là, normalement, il y a un plan. Sachant que... Ah, dans un bunker. Un deuxième bunker. Bon, ça. Ok. Verrouillé. Nickel. Un plaisir. Vraiment, les mecs. Vraiment un putain de plaisir. Ok, un aspirateur. Un générateur. Ouais, j'ai toujours pas de... J'aimerais me refaire des armes, là. Vraiment, j'aimerais me rééquiper. Ok, on peut pas, les gars, j'ai pas les clés. Ça, c'est chiant. Donc, on va récupérer le plan de l'autre côté. Ah, attendez. Ah, sur un malentendu, je me suis dit un graffiti, ça peut être cool. Ça peut être bon pour les stats, mais pas du tout. Le voilà ! Allez, ça dégage. Tu me racontes ta vie. Toi aussi, tu dégages. D'autres volontaires, les gars ? Ouais. Oh putain! Je peux avoir une autre épée de glace. Ça, c'est cool. Allez, je vais le faire à la place de ça. L'épée de glace, elle est vraiment monstrueuse. Je kiffe. Je kiffe ma race, comme on dit dans le milieu de la race. Ok, yo les gars. Bonjour, je suis à la recherche d'un plan. Est-ce que vous avez un plan par ici? Non. Il y a un mec qui se fait enculer, par exemple. Vous noterez quand même. Vous noterez qu'il y a un mec qui souffre. Peut-être là-dedans? Non, c'est de l'aspirine. Peut-être là-dedans. Ah, d'accord. Ok, pourquoi pas changer de chose. Pourquoi pas. Hop, un nouveau casque. J'aime bien celui-là. Je le trouve swaggy. Ok, il est où ce plan, là, les gars? Dites-moi pas qu'il est sur le toit, sérieux. J'ai pas que ça à faire. Il y a une baguette. Il est là. Je l'ai. Je t'aime, mon petit pote. Ah, je suis bloqué. Ok. Oh, c'est avec la baguette. Oh, c'est avec la baguette. Baguette magique et... Ok. Allez, je la fais direct. Hâte de voir ce que ça donne. Oh merde! Attends, qu'est-ce que ça fait? Oh! Oh non, trop swag! Ça fait transformer! Regardez! Trop bien! Hop! Et oui, en cadeau, mon pote! Surpris! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'était ça qui était nul en plus. Attendez, bougez pas, je vais y arriver. Ok. On a 3 points. Oubliez pas que tant que je n'en ai pas 4, ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. Direction notre objectif. On va y aller à la patte, comme ça, si je peux massacrer 2-3 mecs gratuitement et avec toute la haine du monde. C'est plutôt cool. Ok, on va surfer là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens là-haut. Quoi? Vous êtes fou? Ah, je me fais cavale là, les gars, je me fais courser. C'est une course-poursuite incroyable! Lâchez-moi, monsieur! Allez, cours! Doit être dans une de ces maisons. Mais laquelle? Ok. Ah oui, d'accord.
Va falloir que je trouve l'entrée. J'ai pris une balle. Des fois je marche, mec. Ça, c'est, je me tords la cheville ou quoi? Quoi? Vous voulez qu'on s'en cul, là? Ok, vous voulez qu'on s'en cul. Voilà. Allez, ça dégage. Ok, toi aussi tu veux qu'on s'en cul? Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Oh, boîte aux lettres. Lol. Quoi? C'est sérieux? Y'a que l'exosquelette qui peut prendre ça. On va fouiller, c'est cette maison. Ça serait un sacré hasard quand même, non? Des cadeaux de Noël. Pourquoi c'est verrouillé? Mais on est déjà rentré ici en plus, les gars. On est déjà passé ici. Ah oui, d'accord. Yo, fouillez la maison. C'est par ici, les gars, la sortie. C'est là où j'ai vu un chibre, n'est-ce pas? Ok. On va fouiller. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est par ici? Tiens, peut-être là-dedans. Yo. Y'a rien. Y'a rien du tout. Peut-être là où il y avait le chibre. Rendez-vous. Hop, ça dégage. Tu parlais tout seul, frère? T'es devenu fou. Ah, je t'avais pas vu. Maintenant c'est bon, c'est réglé. Ok, il y a un alors, résidence Queen. Je sais pas du tout où elle est. Mais c'est fait, on a la clé. C'est plutôt cool. Maintenant, il y a quelque chose. Éliminer les soldats, d'accord. Je peux faire quelque chose. On a un ventilo, on a une lanterne. Très bien, n'est-ce pas? Dans une des pièces, il y a quelque chose de caché. Hop. Ça va, frère? Putain, mais cette épée, comment elle calme, mon pote? Vous êtes là? Ah, regardez. Regardez. Ah non, c'est pour changer de vêtements. Ok. Pas le visage. Ok, mon gars. Ça y est, ma petite gueule. On s'est remis la stache mou. Ça, c'est beau, ça. Trouver Hammond. Alors là, je sais pas ce que... Oh, qu'est-ce que c'est? Un tableau de luxe. Je sais pas vraiment ce que je recherche au final. Hein. Enfin, je recherche Hammond, mais je sais pas du tout où je peux utiliser cette petite clé de type incroyable qui me permettrait. Yo les gars. Ok, c'est pas là, c'est pas là. C'est... Enfin, la clé, je peux l'utiliser quelque part, mais où, je ne sais pas. On retournera dessus après avoir trouvé Hammond. Parce que là, Hammond, elle me casse les couilles. Yo les gars, poussez-vous. Fouillez la maison. Ok, on peut pas rentrer par ici. Est-ce normal? C'est derrière. C'est... Pourquoi les fenêtres sont noires? Quelle est cette funéraillerie? Et ben voilà. Ok, yo les gars. Hammond? Vous entendez? Hop, ça un nouveau 57, je prends. Non, je suis pas sûr. Si, c'est bon. Hey! Vous êtes blessé? Le mec qui change de tenue à chaque fois qu'il voit la meuf, elle doit être choquée, mon pote. Mec, il revient avec une stache mou, casque de chantier, alors qu'avant il était en mécano. Elle doit se dire, mais c'est quoi ce délire? Et puis, il y a des rumeurs. Des gens disparaîtraient sans laisser de traces. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le descendre. Et j'espère que vous m'aiderez. Ok, parlez à Hammond. Il y a des civils à la ferme de Tom. Il faut les conduire en lieu sûr. C'est bon, je m'en occupe. Vous trouvez comment me faire entrer dans cette base. On s'en charge. Chef, avec tout mon respect, mener un siège, c'est pas pour nous. On va se faire massacrer. Reste positif, Connor. Je maintiens, on va se faire massacrer. Jordan et moi, on s'occupe de la base. Vous trois, occupez-vous de l'évacuation. J'ai vu deux bus près de la galerie marchande. On pourrait s'en servir pour déplacer les gens. Bonne idée. Jessa, tu peux les démarrer? Ouais, je vais utiliser mes doigts de fée. Ils tourneront comme des horloges. Moi, je vais récupérer de quoi renforcer l'extérieur. Oh, chouette! Un bus tank! Ok. Ok. Bon, Connor, écoutez, on va y aller. Un truc pour moi. Mais on... pas la corvée d'eau. Attends, j'ai l'impression qu'elle se répète, la meuf. Qu'est-ce que c'est? Un bonus aspirant? Bah ouais, mais j'ai pas de tenue, ça c'est chiant. Direction notre objectif. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Tiens, ça peut être intéressant. C'est dommage, on peut pas se barrer de la maison, hormis par la porte, ça aurait été cool. Que je fasse une petite sortie, toi-même, tu sais, moi. Ok, je peux faire une masse explosive. Ouais,
pas intéressant en soi. Tu es sur le front, quoi. Les gars, vous embrouillez pas là. Je cherche la sortie, la putain de sortie. C'est bon, je l'ai. Yo. Allez, on se casse. 1200 mètres. Bien. C'est bien. 1200 mètres, les gars, à pied, ça fait bien 1200 mètres, quoi. C'est pas à côté, tu vois. Attends, c'est où, ça? Attendez, on va regarder où c'est, les gars. On va regarder où c'est, parce que là, c'est pas très légal, ce qui se passe. Oh, damn. Près des psychopathes. Ça, c'est intéressant, par contre. On va y aller. On va y aller, on va s'arrêter là. Je suis où? Je sais plus où je suis. Où j'habite? Qui sommes-nous, messieurs? Ok, on va prendre cette voiture. Non? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est triste. On va prendre cette voiture. Quoi? Oh! Oh, c'est où? Quoi? Ça met des patates à gogo! Oh, la vache! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Wesh! Oh, gros. Ils tirent à travers la tête de ma mère? Ils sont tous fous dans le show. Allez, dégage. Dégage, je t'ai dit. Ok. Comment on va faire? Il est temps de voir ce que ça donne. Ok. Bon, bonne chose de faite. Comment on annule déjà? Voilà, c'est bon, j'ai appuyé. Par contre, le mec qui m'en fout à travers. Allez, faut exploser, monsieur. Faut partir. La vache! Voilà! Gros! Ok! Ça, c'est fait. On va arracher le mec là-haut, là. Je sais pas. Regardez les trucs qu'il a fait dans le bordel. What? What? Allez, ça dégage. Je suis pas bien. Là, les mecs, je suis pas bien. Il me faut une voiture, des soins. De quoi qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais là, il y a que des mecs en exosquelette. Aïe. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal, je prends. Bon, il y avait une petite, un petit coup de soin. Merci. On va prendre la voiture et puis on va se casser tout simplement parce que là c'est terrible. Tout ce que je prends ma putain de... Qu'est-ce que tu fais là? Ok, c'est pas grave, je prends quand même. Qu'est-ce que tu conduis? Terrible. Ah, d'accord, c'est comme si on pouvait être deux joueurs, c'est très bizarre. C'est bizarre. Mais je peux tirer ou pas? Ah putain, ouais, ça nécessite de changer de place. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Désolé, je me suis totalement perdu, les mecs, dans les méandres de l'enfer. On est où, là? J'aimerais savoir où on est. Ok, c'est bon, je sais. On va suivre là. Très bien. Très bien. Ça, c'était pour le spectacle. J'espère que ça vous a plu. Toujours créer une petite dose. Allez! Eh, gros! Oh là là, c'est terrible. Mais non, mais c'est terrible. C'est terrible. Terrible. C'est la pire fin d'épisode de EU qu'on a. Allez, on est parti direction l'objectif. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des bisous. C'était incroyable. Oh la vache. Oh la vache. C'est énorme tout ça. Tous ces zombies là. C'est quoi ces conneries? Ok, on arrache tout. Donc j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Je me dirige vers notre objectif. Je vous fais des bisous. Prochain épisode, on tue direct un nouveau psychopathe. Et après, on enchaîne avec... l'histoire principale, bien évidemment. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien.